Aujourd'hui, mon invitée est une chanteuse aux multiples talents. Zine, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau avec votre guitare. Ça va, ça vous encombre pas trop? Non, non, va bien, c'est propi perfect. Bon, allez, parfait. En plus, je vais apprendre des nouveaux mots. Ah ben oui. Hein. Quand on me donne un temps de parole, yé ou parler ni sorte. C'est vrai. J'aurais dû m'entraîner, alors c'est un peu dommage. Alors Zine, quel est ce surnom? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un bout de mon nom de famille, déjà Zine, clairement, et puis ça vient, en fait, c'est un mot arabe, comme je suis née au Maroc, je trouvais ça un bel hommage, parce que je me sens méditerranéenne, et voilà. Et ça veut dire la beauté, mais pour moi en tout cas, la beauté d'âme. D'accord. Parce que je fais pas trop, voilà. Alors racontez-nous un petit peu, Zine, vos débuts d'artiste, quand est-ce que vous avez découvert la musique? Alors j'allais dire, ben justement, on peut dire au Maroc, parce que ça chantait dans les rues, c'était musical, même le marché, le souk, comme un peu les marchés d'ailleurs de chez nous, hein, de l'autre côté. Et puis après, ben, comment j'ai commencé vraiment à me produire, bon, en fait, à 20 ans, j'ai eu un peu une bouffe aïs du carcan dans lequel j'étais. En fait, comme j'étais, dirait Mado la niçoise. Voilà, c'est ça. J'étais sportive de haut niveau en tennis et j'étais à la fac de sciences. Et puis là, il y a eu des rencontres qui font que, en fait, mon côté littéraire, artistique a eu besoin de s'exprimer. Donc j'ai commencé à faire déjà des terrasses. À l'époque, j'étais à Grenoble, donc c'était dans les années ou avant les années 2000, donc j'ai commencé vraiment comme ça en fait. Je savais pas jouer de guitare, mais c'est pas grave, je m'y suis mis, quelques accords, d'ailleurs j'ai pas progressé depuis, hein. C'est toujours quelques accords, mais en fait avec quelques accords on peut composer énormément chansons. Et du coup, pour pouvoir partager au maximum, c'est vrai que même si j'ai plus de 100 chansons écrites en entier à la SACEM, j'ai dit ben, on va prendre des chansons connues, ce qui me permettra, puisque j'avais remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de groupes de reprises sur la côte, parce qu'on est une région touristique, ben, ce qui me permettra de toucher à la fois les locaux et à la fois les touristes. Donc je me suis régalée à parodier des chansons connues en niçois. Alors justement, en transition parfaite sur les cantates d'Azur. Cantates d'Azur, oui. Alors c'est sorti il n'y a pas très longtemps, non? Oui, il y a à peine un mois, oui. Alors, dites-moi en plus, je crois qu'il y a 27 chansons. Oui, alors bah, c'est sûr qu'à force voilà, de chanter ces chansons-là, il y a un éditeur que ça a beaucoup intéressé, qui trouvait que c'était un travail voilà, bah, à mettre sur papier. Donc, on a sélectionné 27 chansons parmi celles qui marchaient le mieux. Donc, on a par exemple Jacques Dutronc, Jacques Brel, Brassens, pour les Français. On a Amy Winehouse, Sia, Yael Naïm. Ah, il y a de tout, vraiment. Oui, parce qu'en plus, moi, j'aime aussi les auteurs féminines. Donc, voilà. Il y a les Beatles, les Stones, donc la chanson Imagine que j'avais chantée pour l'hommage blanc. Otis Redding, enfin, voilà. Il y a de l'espagnol c'est aussi, l'italien. C'est vraiment un hommage au lieu aussi et aux personnalités niçoises aussi, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, je peux prendre un exemple simple. Par exemple, dans la chanson Amy Winehouse, quand elle est déprimée, elle dit « Je suis comme un pilou qui cale de cimier ». Où la chanson Hotel California des Eagles devient la maison Negresco ou Stau Negresco. Il faut vraiment avoir les expressions niçoises, parce que moi j'ai appris un petit peu l'occitan de manière universitaire, donc j'arrive à aller sur tous les dialectes occitans, en Provence, etc. Mais sur vraiment des expressions typiques qui font rire les gens, bon, bah, je me suis quand même fait aider. Il y a eu plusieurs personnes, Anne-Marie Sgaravizzi qui est professeure pour bien écrire ça aussi au niveau grammaire, puisque lui n'écrivait pas, et voilà. Après, bon, ben, sur ce projet, il y a une collaboration avec un illustrateur, Richard Roux, oui, je vois. Vraiment excellent, donc qui a fait des vues de la prom, l'opéra, le Negresco. Préface de Serge Chiaramonti, le président des... Voilà, on voit donc des vues de la prom. Donc Serge Chiaramonti, lui, c'est le président des associations, Fédération des associations du comté de Nice, parce que bon, bah, ça leur a beaucoup plu, dans le sens où ça permet aussi de faire sortir le niçois de son milieu habituel et de toucher le grand public. Donc c'est vrai que j'ai été soutenue aussi par Jean-Luc Gag, tout ça, ils ont été partants. Donc ce livre, eh ben, je suis souvent en dédicace en ce moment, voilà, je vais faire le salon du livre, donc c'est... Et les chansons sont en écoute sur Internet, voilà, parce que j'ai préféré faire comme ça, offrir ça en fait, parce que quand on crée en langue régionale, c'est bien aussi de, voilà, que les personnes puissent les écouter dans la voiture en faisant le footing, vous savez, avec les applications, oui, maintenant, bien sûr, donc on peut se mettre dedans pour les apéros. Bien sûr. Alors Zine, ce que je vous propose, c'est de me faire un petit extrait. Alors un petit extrait, je vais vous faire « Let it be », Laïssa Kouré. Parce que dans les temps de marasme, quand on est un peu voilà, dans des moments difficiles, c'est bien de... Enfin, les Niçois, ils disent souvent ça. Là, ça court et ça veut dire laisse un peu courir. Cora mi senti un temps de tréboule. Mama Maria mi vint veillere et mi disait des mots et des raisons. Là, ça courait.
ed il y aura negricite dreccia davanti io e mi dite de motte de razon l'ai sa cure faiana citant de motte de razon l'ai sa cure faiana citant des mots et des raisons, là il s'accourait. Voilà. Parfait, merci. Voilà. Zine, une question un petit peu hors sujet. Vous aimez bien l'OGC Nice, je crois. Oui, alors le sport en général et les aiglons, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben voilà, moi j'étais dans le tennis, mais j'ai aussi fait de l'athlée, etc. Et mon grand-père, en fait, était dans les fondateurs de l'OGC Nice. C'était un perchiste, champion, dans les champions français dans les années. Avant la guerre. Et donc, du coup, mon père m'emmenait un peu au stade, il suivait tous les matchs, etc. Les aiglons, c'était quelque chose. Lubaudos de l'Ogine. Ah, vous dites mieux voilà. Quoi. Ben, et puis, en reprenant la devise, en fait, force à union, memoria, bravoure, ia identita. Et en gros, c'est tous des beaux gosses. J'ai quand même pris des références sur leur jeu aussi. Mm-hmm. Pas que, bon, y a, pour la rime, parfois, je parle de la barbe d'un tel ou tout ça. Mais un qui défend bien, un qui fait des bonnes passes. Et puis, ben, j'actualise la chanson tous les ans parce que c'est vrai qu'avec le mercato, ça, on a du changement. Ça change évidemment. Mais voilà, cette chanson fait beaucoup rire et bah, vous allez voir. Bah voilà, on regarde un extrait du clip. Où je me roule dans l'herbe, ma mamie. Ben oui. Allez, on regarde. Mi plazo lu baudou, de l'ogime, propi lu mai forte, lu mai valente. Mi plazo lu baudou, da quella brigada, forza union memoria, bravura identità. Mi plazo podielo. Allez, Zine, là je vais vraiment vous dire au revoir, mais avant une question presque qui m'intéresse, un mot en niçois. Eh bien, c'est un peu mon surnom, Miss Pantaille, donc c'est le mot pantaille, ça vient de pantaïsa en fait, si on parle occitan, et c'est en fait rêver, mais on ne peut pas traduire ça par rêver simplement, c'est un peu avec l'anglais trip, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous fait nous lever le matin, en fait, c'est notre petite, voilà, je sais pas comment on dit, notre petit, c'est intraduisible en fait, le pantaille, et c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc spécialement niçois, et donc il y a eu tout un mouvement autour de ça, de remettre, parce qu'on disait, lui, pantaille, ça veut dire, oh, il rêvasse. Oui. Mais il y a eu tout un mouvement dans les années 70 pour mettre ça. Le pantaille, c'est aussi le petit rêve, comme un restaurateur qui va avoir sa passion de la cuisine. En fait, c'est un peu la passion. Donc, c'est rêve. C'est ce qui nous fait nous lever chaque matin. Donc. Passion. Voilà ce qui nous porte. Donc, le pantaille, je trouve que c'est. Justement, le mot n'existe pas en français. Donc, du coup, on le fait rentrer dans le français. D'accord. Miss pantaille et viva l'ou pantaille. Super. Merci beaucoup, Zine, d'avoir été avec nous. Et bien, la baillette aussi.